Faire justice à Sam ne va pas être aussi simple qu'il n'y paraissait au premier abord. Vous n'aviez pas prévu que son assassin serait protégé par une secte grouillante d'énormes insectes immortels, on l'a déjà lu. Mais on va continuer. C'est pourtant le cas, et pour parvenir jusqu'à elle, vous allez devoir vous frayer un chemin parmi toutes ces bestioles. Après avoir goûté à l'appartenance selon la confrérie universelle, vous vous sentez presque à la maison dans les locaux sordides du Seamstress Union. À ne pas confondre avec le Seamstress Union qui est un rival. Bien, on part directement sur embaucher des gens. Alors, Monsieur Daly là. Monsieur Daly. D'accord. Mon objectif de quête qui ne marche pas, on va reprendre. Ah bah, Monsieur Johnson. Mes employeurs m'ont informé que vous leur avez remis le paquet. Ils avaient des basilisques. Toute une horde. Et alors? Il semble que vous en êtes sorti, non? Voici un crédit tube, vous y trouverez la rémunération appropriée. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Argent. Alors, qu'est-ce qu'on peut augmenter avec ça? Ça me semble pas mal. Voilà. Donc maintenant, Monsieur Daly, là. Ça, c'est Bobby. On s'en fout de Bobby. Et je ne peux pas parler à... Trucmuche. Est-ce que le jeu aurait bugué? Pouille. On va aller à la cave et on va remonter des fois que ça suffit à débloquer le truc. Ah non, il est en bas, d'accord. Bah, c'est bon, il n'y a pas de problème du coup. Ah, faut lui parler. Merci. Je dois monter une équipe pour me rendre au bureau Telestrian. Donc c'est là qu'on a besoin du... Decker. Donc on va chercher un Decker de combat. Non, Decker de combat, Rigger... Hein. Démarrer. C'est un démarrer. J'ai comme un doute sur la classe. Technomancien, Techmaster, Technoshaman, ouvrier d'entretien. D'accord. Ah ouais, bon. Alors, j'ai combien sur moi? J'ai 12 000 New Yen. Ah, c'est le fameux elfe. J'ai un grand doute. J'ai un gros doute. J'ai un très gros doute. Adepte, Decker, 2300. S'il ne peut pas trouver une donnée, il la falsifie. S'il ne peut pas la falsifier, c'est qu'elle n'existe pas. Il a un... C'est quoi son décart? Un Fushi Virtua X. Fushi Virtua X. Ça ne dit pas leurs compétences, c'est dommage. Humain décart. Fushi Virtua X. C'est le même. Ah! Il me semble que c'était ça! Meriliel et Lervar. Ah, je sais plus du tout! Je sais plus du tout! Au secours! Élément de mission. Je peux pas avoir un récapitulatif des quêtes, des discussions, non? Hut, combat, sort, karma, thinking, glossaire.
Non. Ah! Est-ce que si je vais lui reparler, il me l'ordit ou pas? C'est quoi ça? David Fry, deuxième. Et vous, comment ça va? J'ai besoin. Ah oui, non, c'est le. D'accord. Ok. Hop. Ah, d'accord. Donc il vient vraiment. Ok. Bon, d'accord. Bah écoutez, on va prendre la demoiselle, hein. Parce qu'il me semble que c'était ça, le... Voilà, on va prendre elle. On va prendre dans la zone Ephilim, l'assassin qui s'est montré quand même pas trop... Oh. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Just in case. j'aime bien. Winterhawk, la magie c'est le pouvoir et moi je veux tout avoir. Ah, y a quoi? Main meurtrière, précipitation, éclair de mana, enjambé, lance-flamme! Allez. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va se les faire comme ça. Les contours lisses de l'édifice de Telestrian Industries fendent la silhouette des immeubles de Seattle, décrivant un arc majestueux vers le sud, vers ses origines dans la nation elfe de Tyr Tangir. Vous vous tenez dans le hall d'entrée, attendant le signal de départ de Sandy. Les minutes s'allongent, enjamber le seuil d'une société, c'est comme entrer dans un pays étranger. Si vous voyez ce que je veux dire, les sociétés possèdent tellement plus de pouvoir qu'un citoyen lambda que l'idée même d'en attaquer une semble folle. Ce serait comme attaquer les dieux de l'Olympe. Un seul appartenant à une multinationale est exempt des lois nationales. Leurs employés ne sont pas des citoyens d'un pays mais des citoyens de la société et leurs cadres les plus élevés ne sont pas traduits en justice pour une quelconque infraction présumée. Le runner qui s'attaque à une société envoie un message fort, il se fait un nom. Trois signaux sur votre Cummings, c'est le moment d'y aller. Tac. Ah non, j'en ai déjà. Je l'ai déjà. Donc là, j'ai quoi? J'ai une grenade au phosphore qui va être très utile, je pense. Une concussion qui fait la PA et une qui fait des dégâts. Voilà. Allons-y. Parce qu'à mon avis, les grenades au phosphore, quand on passe à l'assaut d'une multinationale... Votre comlink vibre et le visage du baron Sandy apparaît à l'écran. Nous revoici en tête-à-tête, mon ami, hein? Des grandes choses vous attendent, vous et Sandy, ce soir. Des grandes choses! Mes salutations, baron Sandy. Alors, vous resterez de garde dans la matrice pour nous sur ce coup? Effectivement, mon ami. Il y aura bien sûr quelques complications à prévoir. Il y en a toujours. Toute complication sera mad. Soyez tranquille. Comme vous le savez, il y a certaines tâches que vous seul pouvez accomplir de l'intérieur du bâtiment. Et il y en a d'autres que Sandy doit accomplir à distance. Il faut juste que nos actions soient coordonnées. L'audace et l'intelligence sont la clé du succès. Attaquer la réception, ce n'est pas de l'audace, c'est de la folie. Ne soyez pas si négatif. Sandy a recruté des gardes dans cette partie du complexe. Vous devrez avoir le champ libre pour vous rendre jusqu'au bureau de la comptabilité. Bonne chance! Ouais, enfin, on est quand même... D'accord. J'allais dire, on est quand même en mode déjà combat, mais apparemment non. Mais apparemment, oui. Ouais, tu repasseras samedi.
Allez, ça en fait un de moi. C'est toujours ça qui est bien. Elle a quoi comme arme? Point ou pistolet? Raté. Touché. Coulé. Ah merde, je pensais que c'était l'assassin. Mais c'est l'assassin! Ah, mes crétins de lapin! Mais c'est quoi cet assassin au rabais? Bon. Voyons ce que t'es capable de faire, toi. Éclair de mana. Wow! Ah, je ne peux plus le lancer. Ma meurtrière, enjambée. Il y a quoi en matos? On va le garder pour plus tard, ça. Ah, quand même! Caillou tapé! Voilà. C'est qui m'a fait mal en plus. Allez, c'est le moment de hacker cocotte. Ah non. C'est pas le moment de hacker cocotte du coup. Alors toi déjà tu vas passer au sabre, hein, parce que c'est pour ça que je t'ai engagé, pépette. Regardez-moi en plus cette vitesse, quoi. La carte d'accès passe dans le terminal et l'écran s'allume. Alerte prioritaire, intrusion détectée, blocage de tous les ascenseurs. Réponse de sécurité Oscar 6. Avertissement, le terminal 6J's compatibilité n'est pas sécurisé. Demande à l'utilisateur de sécuriser le terminal. La côte n'était pas si claire, apparemment. Apparemment. Ne doutez pas de samedi. L'échantillon AUGIS sera nôtre avant le lever du soleil. Il y a eu une réorganisation télestrienne récemment. Ils ont eu un nouveau vice-président de la sécurité et il est en train de changer les procédures standards. Rien que samedi ne puisse t'arranger. Allez au bureau de la comptabilité. C'est là que j'allais. Eh mais elle a un déplacement catastrophique, la petite Decker. Alors attendez, j'ai deux portes. Et je sens que ça va être la guac dans les deux. Ah, well. Ce bruit de recharge. C'est tellement joli. Alors, Caillou, tu vas aller ouvrir la porte. D'accord. Ils m'ont bien fait flipper pour que dalle. Bon, j'ai quand même une Decker qui aurait pu hacker un terminal pour arrêter l'alarme, hein, mais c'est pas grave. Bon, on va l'emmener jusqu'ici parce que je le sens pas d'aller jusque... C'est fermé, là. Ouais, ça reste fermé. Bon. J'aime beaucoup ces fringues. Franchement, j'aime beaucoup ces... Il fait quand même moins clodo que mon perso, donc c'est un peu frustrant quand même. Voilà. D'accord, il a dit non. Très bien.
Ah, c'était sûr! Oula! C'est le moment, il fallait que le... Eh ben, les chances de toucher sont vraiment pas terribles. Et elle touche quand même. Et elle fait mal en plus! Bon, on va complètement l'ignorer, lui. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible! Alors. On va tenter de terminer le troll. On n'a pas terminé le troll. Aïe! Oula! Ah, bâtard! Bon. Tic, 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 tic. Allez, 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 on va se débarrasser de cette petite escouade. C'était trop beau. C'était trop beau. Cette position est compromise. Toi aussi! D'accord. Toi aussi! Voilà. Lui, il agira plus et c'est déjà très bien. Cette fois, ça passe. Ah mais sérieux! Assassin du dimanche quoi! Mais je ne peux pas l'utiliser sur moi. C'est magnifique, on va se débarrasser de ça. Commence à devenir un brin trop menaçant pour ma bouille. Et en plus, il encaisse comme un sac. Voilà. Ah mince. Mais c'est quoi ça? Ça y est, t'es... Quand même. Le mage qui... Mais lol! Bon, est-ce qu'il a du soin qui peut? Oui. Parce que là, mon petit perso principal, il était mal quand même. Je le rate à 86% de chance de... Ah, il a verrouillé! Ah, le mage de la pétoche! Voilà.
Ce terminal est actif et affiche un écran de connexion indiquant département comptabilité, niveau de gestion, projet 2. Lancer une recherche, Sam Watt. Premier résultat sur Sam Watt, aucun dossier trouvé. Résultat secondaire sur Watt, Sam, Watt, Melinda, historique de paiement. Accès au système de facturation non disponible sur ce terminal. Bon, ok. Le baron apparaît sur un truc comme Link. Donc, on dirait bien que James a fait du zèle pour sécuriser ses informations. Pas l'attitude de quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, hein. Nous devons monter à l'étage et pirater ses données personnelles. Les ascenseurs ont l'air bloqués vu d'ici. Vous allez devoir trouver un autre accès pour pouvoir continuer. Ouais, Yahoo! Ah mais lui aussi en plus. Ah j'ai pas pris de mage avec des sorts de soins. Ah merde. Oui donc c'est les mêmes. Voir si j'aurai les mêmes informations avec la demoiselle. Ah, contrat de l'Intellestrian, contrat terminé. Confrère universel, aucun dossier trouvé. Quitté. Alors que l'ordinateur se déconnecte, un bout de papier jaune glisse dessous le clavier. Je te l'ai dit 1000 fois, le code de la porte est 1915. C'est pas si compliqué à retenir. LOL! Je voudrais juste qu'elle ait laissé... D'accord, bon bah, rien de neuf quoi. Il reste une action, ce n'est pas une bonne idée. Coucou! Oh putain! Ouch. C'est problématique. Je sais pas si je peux lui lancer deux fois, donc on verra bien si ça passe ou pas. Ah, c'est gênant. Ils sont un petit peu nombreux quand même. Elles ont énormément de points de vie. Je suis pas sûr que c'était l'idée du jour. Évidemment, il n'y a rien pour contrôler tout ça. On
en espérant que celui-ci se retourne pas contre moi. Bon bah le démon fait. Bon, d'accord. C'était pas l'idée du jour. C'était pas l'idée du jour. C'est...